Messieurs, bienvenue à cette émission de parole à l'élu, édition spéciale élection. En vue de, de l'élection municipale du 3 novembre prochain. Et cette semaine, eh bien, ce sera un spécial de 45 minutes, puisque nous recevrons dans nos studios les trois euh, candidats à l'élection dans le secteur maçon-anger. Alors, il s'agira donc de M. Luc Montreuil, euh, de M. Marc Carrière ainsi que M. Roland Frenette. Et euh, entrons tout de suite dans le vif euh, du sujet avec notre premier candidat. Il s'agit du conseiller municipal déjà en place, M. Luc Montreuil. Bonjour, M. Montreuil. Bonjour, M. Merci d'avoir accepté notre invitation d'être ici avec nous. Et de venir nous parler de cette élection, quand même, qui est une élection pas importante. J'aimerais ça. Il y a des gens, beaucoup de gens vous connaissent parce que ça fait déjà 30 ans que vous êtes en politique, dont oui. 20 années au niveau du municipal et 10 années dans le, au niveau scolaire. Mais il y a encore des gens sont nouvellement arrivés par ici. Alors, je vous laisse une petite introduction pour vous dire qui, qui vous êtes. Alors, je suis une, une personne qui a euh, comme deux carrières. Euh, J'ai euh, euh, enseigné pendant une trentaine d'années les euh, sciences et les mathématiques euh, au secondaire. Mm -hmm. Euh, et aussi, j'ai une trentaine d'années d'expérience qu'on venait de souligner, là, à la fois donc euh, comme j'étais président de la commission scolaire. Deux de ces années-là, j'étais président de la commission scolaire en 93-95. Président de la commission scolaire, donc, et aussi maire de Masson-Angers. Et ça euh, n'a pas tardé des résultats pour Masson-Angers comme tel. Alors, il y a eu deux nouvelles écoles, euh, des gymnases agrandis aux écoles. Il y a eu également trois CPE qui ont été construits au voisinage de l'école. Alors, Masson-Angers s'est développé très rapidement à ce moment-là, et les services ne sont pas faits attendre. Il n'y a personne qui est obligé de prendre une pancarte, aller dans la rue pour réclamer un CPA ou réclamer une école. Euh, les bibliothèques accrochées aux écoles aussi, c'est assez innovateur pour l'ensemble du Québec euh, à ce moment-là. Vous avez encore le goût, après 30 ans, de continuer en politique? Bien, je ne vois pas rien faire. Puis actuellement, je me retrouve également euh, à la FCM. Le ma bureau s'occupe plutôt de l'UMQ. D'ailleurs, il est le premier vice premier vice-président. Et Marc Bureau, donc, s'il est élu, il sera le président de, de l'UMQ à compter du mois de mai ou du mois de juin euh, l'an prochain, en 2014. Okay. Alors, euh, moi, je m'occupe de la FCM et euh, je dois vous dire qu'avec d'excellents résultats. Euh, par exemple, la, la taxe, le retour de la taxe sur l'essence donne à la municipalité des revenus de 16 millions par année. Alors, ce qu'on a pu faire avec, à, la, à la FCM, pardon, ce qu'on a pu faire, on a pu euh, faire en sorte que ça devienne permanent, c'est-à-dire qu'on compte mm -hmm. au niveau du budget sur 16 millions de revenus par année, et plus que ça, donc qu'elle soit indexé pour les 20 prochaines années. Donc, on a eu tout ça. On a eu également de la FCM 400 000 avec la construction de la caserne d'incendie ici. Et euh, également, donc, euh, des prêts à un taux très avantageux. Donc, le maire bureau s'occupe de l'UMQ, je m'occupe de la FCM, on se fait confiance mutuellement et ça roule. Et je présume, euh, si je vous pose la question tout de suite, que vous allez vous-même appuyer Mar Marc Bureau encore. j'ai été le premier, été le premier, en fin de compte, en, en 2005, à sortir des rangs, puis euh, euh, de promouvoir la candidature du Marc Bureau à ce moment-là. Et vous êtes prêt à le faire encore aujourd'hui? Ah, autre ah certain. On se fait confiance mutuellement et ça fonctionne très bien. Et pour lui, et pour moi. On va aller dans le vif du sujet, dans, les, dans maçon Angers même. Euh, je vous pose la question que certains candidats euh, ont mentionné puis certaines personnes, euh, comme ça, de temps à autre, disent Bon, M. Luc Montreuil, depuis qu'il est à l'exécutif, euh, est peut-être moins présent dans son, dans son milieu. <laughs> je vous laisse répondre à ça. Écoutez, je, je pense qu'au moment où j'ai pu le faire, j'étais très présent. D'ailleurs, je n'ai pas rencontré l'un ou l'autre des candidats qui me le reprochent. Là. Mm -hmm. Euh, mais je dois vous dire qu'avec la FCM, il y a quand même pas mal de montants qui passent à ça. Également, je suis à la CLDQ. Et euh, quand, le maire, quand les, les maires des grandes villes au Canada se, se réunissent, le maire bureau m'envoie. Alors, c'est moi, en fin de compte, là, qui, euh, qui s'occupe des, des, des activités qui se font du côté de la FCM. Mmh. Et euh, donc, euh, quand je ne suis pas là, là c'est parce que je suis en, commun, en, en, voyons, en mission commandée ailleurs. Euh, je ne me sauve pas. Et j'aime rencontrer les gens euh, très particulièrement. Ce que j'ai fait, donc, mon budget discrétionnaire a euh, fait en plus de 40 000 la de dernière année là, pour les clubs sociaux, pour les clubs d'associations de, de, de athlétiques, pour euh, le hockey, pour le soccer, entre autres. Alors, les gens de l'âge d'or et ainsi de suite. Alors, tout mon monde, là, je m'en occupe. Et euh, je, je suis présent. Je suis présent. Depuis 2008, euh, il y a eu beaucoup de projets dans masson angers Vous en êtes fiers sans aucun doute. Euh, Bien sûr. Et puis jusqu'à aujourd'hui, euh, peut-être nous parler d'un peu des chiffres et puis de ce qui s'en vient pour masson angers parce que quand même, j'imagine d'autres projets dans le, dans les, pour les prochains le prochain mandat de quatre ans. Oui, oui. Euh, voici donc, euh, à partir de 2008 jusqu'à maintenant, il y a 70 millions de dollars qui ont été investis dans mon quartier, dans mon district électoral. Euh, il y a eu, en fin de compte, il y a ici l'agrandissement la, la, et la modernisation de l'usine de fabrication d'eau potable. À terme, ce sera 33 millions qu'on va investir. Pour cette année, je pense que c'est 12 millions. Et euh, comme je disais tantôt, donc, ça va être payé par les fameux 16 millions qu'on reçoit chaque année, parce que ces sommes-là, la, la Ville a décidé de l'appliquer à l'eau, c'est-à-dire soit l'eau potable ou soit le traitement des, des eaux usées. Mm -hmm. Donc euh, c'est énorme, c'est énorme ces, ces sommes-là. Là. Euh, donc ça, ça on, va garantir, ça va garantir qu il va meilleure y avoir de meilleur que meilleure qualité d'eau et faire en sorte qu'avec le réseau de distribution que l'eau qui part de là et qui s'en va jusqu'à Montémino, qu'elle soit une eau de qualité pour tout le monde. Okay. C'est vraiment important. C'est comme, comme le pain et le beurre. Même les, les, les Inuits disent que l'élément le, le plus essentiel c'est l'eau au niveau de la vie, au niveau euh, de, 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 des expériences de vie de ces gens-là, du soutien de la vie, mm -hmm. et ainsi de suite. Alors, il y a aussi du pavage de, de différentes rues. Il y a eu la carrefour giratoire, Boulevard Maloney, euh, question de sécurité euh, routière. Je pense que ça a été important. Je m'éduquais, donc il y a eu la rampe de mise à l'eau, les ponceaux également. Alors, quand on, on commence, il y a 40 incendies à Buckingham au, au montant de 7,9 millions. Euh, il y a eu une révoine, pardon, rénovation du centre communautaire euh, à Angers. Pour le parc Gilles-Maisonneuve, on a investi près de 1 million. Entre autres, on a ajouté aussi la piste de BMX avec un mur de soutenement à 261 000 euh, Ici, on va agrandir des chalets de service à la fois à en œuvre à la fois à Jacques Ami et les sommes pour le faire viennent du Fonds de développement des communautés, qui était tellement décrié. Alors moi, je n'ai pas décrié ça, je l'ai utilisé, et c'est ce que ça donne chez nous. Et si je ne me trompe pas, j'attendais dernièrement, euh, à la dernière réunion, vous avez mis, mis des sommes pour aider à avoir une, une nouvelle Maison des jeunes? Euh, oui, c'est ça. Alors, cette fois-là, cette somme-là vient... Du, euh, du surplus de maçon à qui est de quelques 600 000 qui est intact jusqu'à maintenant. Okay. Euh, alors, j'ai accepté de puiser 200 000 en fin de compte, pour euh, construire un complexe jeunesse près de l'École Sacré-Cœur, à la place de la Maison Beuc, là, qui devait être démolie. Mm -hmm. Donc, aussi de la revitalisation de ce côté-là. Alors, ça, ça fait partie des plans. Est-ce qu'il y a d'autres choses, d'autres plans, avant qu'on on entre dans, dans, le, dans le, le, le Grand Gatineau lui-même? Bien, écoute, ce que, ce que je veux, donc, euh, je veux aussi la construction d'une palestre. Au cœur de la population à desservir, les très jeunes de toute la ville de Gatineau se retrouvent là à Angers. Donc, je veux qu'il y ait une palaise pour que euh, les, les, les jeunes puissent s'exercer, mm -hmm. pour, pour l'ensemble, en fin de compte, de la région. Euh, je veux aussi continuer le développement des pôles commerciaux. On sait qu'au grand dam des gens de, de maçons, d'anciens maçon comme tel, la Caisse populaire a fermé. Et euh, donc, toute l'offre de service commercial s'est déplacée vers la rue mm -hmm. Et euh, donc, il y a d'autres projets également. On, on est peut-être rendu à la moitié du projet comme tel. Mm -hmm. Alors, euh, également aussi, je veux sur la rue de Neuville, quand les propriétaires seront prêts à le faire, moi, je vais les aider dans ce sens-là pour avoir une meilleure offre encore de, de services. Euh, Commercial. Donc, je trouve ça important. Beaucoup de projets encore beaucoup. en vue. Oui, est-ce ben, que les agents seront là aussi? Si euh, dans le sujet de, des, des taxes, est-ce <laughs> qu'on va devoir augmenter les taxes? Ben, là, écoutez, où on en est rendu de ce côté-là? Au niveau des taxes, je peux vous dire, je, je vais peut-être dévoiler un secret. Là. Euh, je suis aussi responsable au niveau des infrastructures à la Ville. C'est moi qui, qui est le président président mm -hmm. du plan de, de financement à long terme. Je suis président aussi de, de, du budget. Hein. Mm -hmm. Et euh, la commande, ça a été de ne pas aller plus que 3 Alors, 3 d'augmentation. Le prochain budget euh, sera augmenté d'à peu près 30 millions. On ira chercher la part de taxes qu'on ira chercher va aller autour de, de, de 10 millions, ce qui correspond à peu près à 3 ou peut-être 60 de plus de taxes en moyenne pour les différentes. Euh, vous n'avez pas peur que les gens disent bien, 3 moi, je n'aurais jamais trouvé 3 en augmentation de, de salaire dans la prochaine année. Est-ce que ça vous fait ça, pas peur? De, ça, de... c'est vrai, mais regardez bien. Comme on est des bons employeurs, on a consenti 2,5 d'augmentation à, à nos employés et c'est 46 du budget qui passe là. Mm -hmm. hein? Alors, comme, comme employeur, donc, on, on s'est acquitté de, de nos responsabilités. 3 je pense que, parce qu'on on avait là-dedans 1 effectivement de. de euh, fonds dédiés justement pour les infrastructures. Ça nous permet d'aller chercher beaucoup de subventions. Et euh, je pense que c'est vraiment intéressant pour nous autres. Il n'y a aucune autre ville au Québec là, qui en fait autant que, que nous autres au niveau des réflexions d'infrastructures. De Il y a même des villes qui ne savent pas quel est l'état de leurs infrastructures. C'est mm -hmm. temps garde d'ailleurs. Nous autres, on le fait... Pour... Vous avez un plan de 30 oui, ans? Oui, on a un plan sur 30 ans. On sait que ce sera 3 milliards sur 30 ans. On sait que c'est à peu près 104 millions par année. C'est ce qu'on va faire. Et on va le faire en allant chercher le maximum de subventions. C'est ça qu'on a commencé à faire. Il n'y a pas un conseil, il n'y a pas un conseil, que, le conseil actuel là, qui a investi autant au niveau des infrastructures. À la fin de l'année, quand tu as investi en infrastructure, ça ne paraît peut-être pas parce que c'est enfoui sous, sous l'asphalte, mais tu as quand même euh, un actif contre les sommes que tu as payées. Mm -hmm. euh, tu peux prendre d'autres décisions où tu as dépensé 10 000 ou même 20 000 et… Euh, euh, tu n'as rien à montrer pour ça. Là. Alors, il faut investir sagement. Et il faut y aller euh, de façon euh, modeste aussi. Là. Mais euh, au niveau des grands projets également, je dois vous dire que moi, je vois un seul grand projet par, euh, par mandat. Et alors, dire, on ça? commence actuellement le centre fonctionnel On sait donc qu'on vient d'emprunter euh, la somme 26,5 millions, la somme qu'on va obtenir en subvention de, de Québec. Donc, on continue. On continue les plans de vie. Euh, alors… Mettons que le prochain mandat, là, on va se donner euh, tout ce temps-là pour réaliser un seul grand projet, soit le centre multifonctionnel. Après ça, on abordera probablement dans un prochain mandat euh, la grande bibliothèque. La grande bibliothèque. Mmh. Puis peut-être euh, consolider le réseau des bibliothèques actuelles pour le mandat qui vient également. Vous êtes un candidat indépendant et on a deux minutes simplement oui. pour en parler. Il y a un nouveau parti euh, qui s'est développé, euh, qui fait en sorte qu'on a des candidats dans chacun des districts électoraux. C'est oui. bien, on aura des élections mm -hmm. partout, donc ça va inciter la population à aller voter. Bon, on pense. Que... Comment vous voyez ça, vous, euh, qu'il y ait un parti politique, admettons qu'il serait au pouvoir? Comment vous... Moi, je vois, en tout cas, je ne pense pas qu'un parti politique, à une, première, à une première élection, prendrait le pouvoir. Euh, même, je pense qu'au niveau des partis politiques municipaux, euh, regardez par exemple les exemples de, 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 de Québec, les exemples de Laval, des exemples, pas de Québec, mais plutôt de Montréal, Montréal. Euh, de Laval, ainsi de suite, Bon, euh, ce qui arrive, quand tu as un parti à nourrir, ça incite possiblement à hein, de la corruption. Alors, euh, étant tout à fait indépendant, on n'a pas un, un monstre comme ça là, à, à nourrir. Donc, euh, je ne vois pas l'utilité d'avoir un parti politique au niveau euh, municipal. Je vous laisse la dernière minute, c'est tout le temps qu'on a, parce qu'on aurait pu oui. discuter avec vous, là, et j'espère. Oui, après, longtemps. Je vous, vous, vous réinviterai, si vous êtes élu après le 3 novembre, j'espère qu'on aura l'occasion de, re de rejaser de différents projets chez vous et dans la municipalité, tandis que vous êtes à l'exécutif. Il y a beaucoup de choses qui se disent là et tout oui. ça. Oui. Je vous laisse les derniers 45 secondes pour inviter la population à l'élection. Bon, alors, <laughs> la dernière élection, je pense qu'il y a 38 des électeurs qui se sont présentés aux urnes. Euh, à la fin de la journée, quand on ouvre les boîtes de sécurité, on compte juste dans la boîte. Alors, les gens peuvent avoir plein de bonnes intentions. C'est facile euh, d'aller voter. D'ailleurs, j'ai euh, un dépliant que je vais euh, passer, d'en faire passer avec Post Canada dans, euh, dans tous les foyers mm -hmm. avec les, les renseignements. Et même cette semaine, c'est-à-dire que la semaine du 7 octobre, les directeurs inscrits sur la liste électorale vont avoir une carte de rappel. Conservez ça, apportez ça quand vous votez et ça va être beaucoup plus facile de le faire. Merci beaucoup, M. Montal. Bonne chance pour cette élection. là On invite les gens à aller voter, c'est important. Dans oui. quelques instants, M. Marc Carrière sera notre prochain invité. Hey Marie, viens-tu porter ce soir Ben ouais, j'ai apporté des nachos d'habituer les gens à attendre vos réponses. Ça vous fera pas mourir. Je pense que vous avez juste avéré le problème de bord. Je trouve que ça n'a pas de sens. Il n'y en a pas de solution facile. Elle sait, elle sait. Non. Oui. Non. Oui. Non. Oui. Non. Tellement! T'en penses quoi de ça? Je pense que t'as raison. Non, ça n'a pas de sens ce que tu viens de dire. Ben oui, ça a du sens. Non, vraiment pas. Ben oui, ça a du sens pas du tout, du tout, du tout. Non, tu comprends pas là. Je suis sûr, je suis sûr, qu'on peut faire autrement. On a tous nos opinions. Pourtant, aux dernières élections municipales, seulement 45 d'entre nous les ont exprimées. Le 3 novembre, on s'exprime. Deuxième partie de notre émission spéciale sur les élections, avec parole à l'élu spécial élection, M. Marc Carrière, qui est avec nous, de district de Masson-Angers. Bonjour, M. Carrière. Bonjour, M. C'est fait plaisir de vous voir ici avec nous. C'est important de, pour la démocratie de savoir que les gens aillent voter. Et puis, euh, dans le district de Masson-Angers, on a trois choix, dont vous en êtes un. Euh, M. Carrière, j'aimerais ça que vous vous présentiez. Qui vous êtes euh, pour les gens de, de... Je sais que vous demeurez dans heure en vous êtes peut-être un peu plus connu là, mais je pense que les gens ont tout à apprendre sur vous. Ça, je suis Marc Carrière, natif euh, de Gatineau. Euh, J'habite Masson-Angers euh, depuis longtemps, avant même la fusion. Euh, très impliqué dans le milieu. Euh, je suis père de famille, marié depuis 15 ans. Euh, maintenant, je suis candidat indépendant pour les proches, la prochaine élection municipale, complètement indépendant. Je suis pas lié à aucun parti politique, aucun groupe d'individus euh, vraiment là pour servir les citoyens. Euh, jeune, j'ai appris très jeune même à, à servir les, les, les gens. Euh, mes parents ont toujours été en affaires. J'ai été en affaires aussi également de 89 à 97 une entreprise que j'ai vendue aux industries CD, qui est toujours existante, à Gatineau. Euh, malheureusement, eu une, je suis un accidenté du travail. Euh, en 2000, j'ai eu un accident de travail majeur qui, qui, qui a nécessité plusieurs années de réadaptation. Euh, maintenant, pour combler mes 60-70 heures que, que, que je travaillais, en partie, j'ai décidé de m'impliquer beaucoup dans notre communauté, euh, entre autres par euh, la création de l'association du Parc Gérard-Marchand. Euh, la Constitution avec un de mes amis de B.M.X. Gatineau. Euh, mon implication également au, au conseil d'établissement de l'école de mes enfants, l'école du Sacré-Cœur, et également euh, commissaire scolaire depuis euh, 2007. Parlez-moi justement de votre expérience politique. Euh, J'imagine qu'elle qu vient autant du du scolaire plutôt du scolaire, mais vous avez participé quand même à certains comités. Ben je pense, absolument. Que la liste ministère. est longue. La liste est longue. Euh, en effet, ça m'a permis de, de, de participer à plusieurs consultations publiques. Mais euh, depuis, depuis que je suis commissaire, en 2007, j'ai été élu. Euh, 15 le taux de participation à cette élection-là. C'est un haut euh, euh, pourcentage. Absolument, le double de la moyenne provinciale. Euh, depuis que je suis élu, j'ai été fidèle à mes électeurs. Euh, je n'ai jamais manqué une seule rencontre euh, du Conseil des commissaires ou encore au comité de travail, euh, ce qui m'a servi, mais surtout servi aux, aux citoyens que je représente. Je pense qu'au niveau… j'ai le goût de, de, de faire la même chose maintenant euh, au niveau municipal. OK. Si on entrait tout de suite dans le vif du sujet, M. Montreuil euh, est là depuis euh, ben, une trentaine d'années en, en politique. Ils ont 20 ans ben, au niveau municipal. Il euh, y a des gens qui lui… qui ont dit dans le dernier mandat, ben, il était un peu moins présent. Est-ce que vous êtes de ceux-là? De ceux Est-ce que c'est pour ça que vous vous présentez ou si vous avez ben, d'autres intérêts? Il ben, ben, y a plein de raisons. Là, on connaît puis je pense qu'on n'a pas be besoin de, de, de parler de qui que ce soit. Euh, pour faire le constat, euh, euh, depuis la fusion, on, on comprend maintenant la réalité. Le test de la réalité de la fusion est maintenant fait. On sait ce que c'est. Euh, maintenant, euh, je pense que ça prend quelqu'un de présent, ça prend quelqu'un d'actif, prêt à relever le défi. Ce n'est pas en, en siégeant sur des comités externes ou, ou autres euh, qu'à la ville. Il faut être présent à la ville, surtout près des citoyens, pour bien comprendre les besoins des gens. Et c'est ce que j'ai le goût de faire. <laughs> À titre d'exemple, euh, depuis que je suis commissaire scolaire, euh, dans ma plateforme en 2007, au moment où j'ai été élu, euh, il y avait un dossier qui me préoccupait énormément, c'est-à-dire le, le, le dossier du transport. Je savais qu'on faisait un déficit important. Euh, juste le budget pour le transport, c'est 5,5 millions. On faisait un déficit important, un quart de million annuellement. Euh, on avait des autobus qui, qui circulaient sur nos routes vides. Et on se souviendra aussi la bataille que j'ai faite pour le secteur la québécoise. Euh, où est-ce qu'on avait perdu le droit de transport pour euh, le secteur, pour plein de raisons, entre autres la politique de transport et la commission scolaire. Donc, j ai, j ai, j ai, je me suis impliqué énormément là-dedans. Euh, Aujourd'hui, je peux dire qu'on a éliminé le déficit, on fait même un surplus avec le service de transport, et nos jeunes euh, du secteur la québécoise euh, ont maintenant droit, même à l'intérieur des distances de marche, ont accès euh, aux services de transport. Donc, c'est un genre de... C'est une réalisation, en fait, que j'ai faite qui est très, très, très applicable. Au niveau euh, municipal. Donc, euh, en ensemble, je pense que la réalité, on a compris ce que c'est la fusion. Maintenant, ça nous prend quelqu'un de présent sur le terrain, près des citoyens. Et je suis convaincu que ça ne passe pas en, en rajoutant un palier de plus. Euh, comme le propose Action Gatineau, je pense que les services offerts par une municipalité sont des services de proximité. Donc, euh, entre le service et le citoyen, la politique, le politique doit être de proximité également. Vous avez commencé, je pense que vous étiez, même si votre nom n'était pas officiellement sur la liste avant la, la, la dernière journée, vous aviez commencé très longtemps à dire que vous étiez pour faire partie de l'élection. Euh, J'imagine que vous avez commencé à rencontrer des, 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 la population euh, de, de chez vous, de, autant à Masson-Angers qu'à havre qu'on appelle ce secteur-là, qui s'est ajouté à votre, votre groupe Absolument. cette année. Qu'est-ce qui ressort de tout ça? Qu'est-ce qu que les bien, gens veulent avoir bien, Écoutez, regarde, on va commencer par la première question. Oui, en effet, j'avais manifesté très tôt mon intérêt pour euh, faire un saut au niveau euh, municipal en 2008, donc ce n'est pas une surprise pour personne, pour les candidats actuels non plus. En 2008, j'avais déjà dit que j'avais l'intention de faire le saut au niveau municipal. En effet, depuis longtemps, je rencontre les gens. Euh, ma plateforme a été euh, bâtie, construite autour de, de, de ce que j'entendais euh, par les gens, même au, au début de l'été. Euh, j'avais des cibles vraiment euh, précises, des gens que j'ai rencontrés. Maintenant, au porte-à-porte, -porte, les gens, en effet, réclament le changement, puis en même temps, ce n'est pas à n'importe quel prix. Je pense qu'on ne peut pas, en, en l'espace d'une période électorale, être capable de bien saisir les besoins du milieu. C'est pour ça que mon implication de longue date, depuis 2006, en fait, que je m'intéresse au fonctionnement de la ville, première consultation à laquelle j'ai participé, j'en ai fait plusieurs, en plus de mes implications qui m'ont amené à, à travailler avec les gens de la file, mmh. autant les élus que que les fonctionnaires, donc c'est de l'expertise que j'ai acquis avec le temps, qui, qui m'avantage aujourd'hui, puis je pense que les gens, en effet, réclament du changement, puis sont conscients aussi que c'est pas à n'importe quel prix qu'on est capable de… C'est trop important, ce, ce n'est pas en l'espace d'une période électorale qu'on est capable de bien saisir les besoins, c'est beaucoup trop important. En 2008, quand j'avais dit que j'avais l'intention de faire le saut municipal, c'est pas ça que je suis pas allé en, en 2009, justement, parce qu'il me manquait des choses, il me manquait de l'expertise. Au niveau de la commission scolaire, ça m'a apporté énormément d'expertise. C'est des choses très, très, très applicables maintenant au niveau municipal. Vous semblez prêt à relever ces défis-là, ce Absolument. Est-ce qu'il y a des petites choses spécifiques ou bien si vous voulez rentrer dans, le, dans le, le vif du sujet du, de la ville de Gatineau elle-même? Euh, vous, dans votre, euh, dans votre dépliant que, qu aura, euh, qui sera distribué, j'imagine, vous parlez d'un de ou deux projets spécifiques que la Ville de Gatineau devrait entreprendre. Vous, Mais, -vous en Oui, absolument. C'est sûr que, que, que la notion de sécurité revient régulièrement. Entre autres, réduire la vitesse sur la 148, augmenter la présence des services d'urgence, euh, accroître la surveillance des parcs, euh, améliorer les, co les conditions de sécurité, euh, les corridors de, 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 de sécurité pour les jeunes marcheurs, les jeunes et tout le monde, dans le fond. Mais, mais il y a un projet qui, qui me tient à cœur, puis actuellement, il y a, il y a deux projets euh, au, au niveau de la ville. Il y a euh, Destination Gatineau, où est-ce que maintenant, on mise beaucoup sur l'eau. Puis, puis en même temps, il y a le, le, le projet de, de tourisme outaouais, où on parle de la 148 qui pourrait devenir le chemin de l'eau. Euh, étant donné que Masson-Angers-Havre-Mitchell, l'entrée est, est euh, dans la ville de Gatineau, moi, je pense que notre, notre secteur ne peut être négligé euh, de ces deux projets-là, même il faut faire partie prenante de ces deux projets-là, en raison de son historique, en raison de, de son expertise, de la richesse que possèdent les gens de ce secteur. Entourant l'eau, on a un barrage, une centrale hydroélectrique, euh, un moulin de pâte et papier, un traversier, de multiples baies et marais, moi je parle trois euh, rivières qui coulent dans notre circonscription. Je pense que ce n'est pas négligeable. Il faut faire partie prenante de projets comme ça. On est à Masson-Angers, on est maintenant dans Gatineau, on est là pour y rester. Maintenant, ça prend quelqu'un qui veut euh, travailler. Puis pour ce faire, ça prend quelqu'un de bien argumenté, prêt à représenter les citoyens de, du secteur. On a parlé de Buckingham, Masson-Angers, ça devrait être euh, plus rapproché encore, que les gens devraient plus se parler dans le but, parce qu'on dit que c'est le secteur S. On est parfois négligé qu'on dit. Est-ce que vous pensez de la même chose Est-ce que vous pensez qu'il devrait y avoir Écoutez, Moi, j'ai toujours espoir. J'ai, euh, même répété à plusieurs forums, un moment donné. On est là tous ensemble pour y rester. Il faut travailler en collaboration. Il faut surtout développer l'est de façon juste et équitable pour tous. Il faut cesser essayer de, de, de centraliser ou d'amener des choses. Puis il, il ne faut surtout pas il ne faut surtout pas répéter les erreurs du, du passé. Je, je fais un lien là direct avec euh, la piscine. Euh, qui est sous-utilisé. Maintenant, quand on parle d'infrastructures euh, sportives, j'ai déposé un mémoire à titre de président de, de l'association du Parc Gérard Marchand. Où est-ce qu'il faut respecter surtout euh, les groupes d'âge là-dedans? Puis il faut surtout, moi je pense qu'il faut surtout que ça, que ça serve à un plus grand nombre possible de personnes. Mm. C'est en centralisant souvent qu'on est capable de faire ça, autant si on prend le centre de l'Est, autant vers l'Est que vers l'Ouest du centre. Moi, je pense que c'est important de travailler en collaboration, qu'on puisse s'entendre tout le monde. Et encore là, pour ce faire, ça prend quelqu'un de présent, quelqu'un d'actif, puis quelqu'un de bien argumenté pour faire en sorte qu'on puisse être reconnu à notre juste valeur. Oui, j'ai posé des questions aux autres candidats. Est-ce que de votre côté, vous pensez qu'un parti politique, c'est nécessaire dans la ville? Moi, je n'y crois pas. Moi, je pense qu'il faut surtout avoir. Puis, puis c'est pas en l'espace d'une période, puis je l'ai dit tantôt, c'est pas en l'espace d'une période électorale qu'on est capable de bien cerner les, les besoins de notre circonscription. Au contraire, étant donné que les services d'une municipalité sont de proximité, et, et, à mon sens, euh, ce palier additionnel-là euh, n'est pas nécessaire. Je pense que ça prend un élu près des citoyens pour être capable d'influencer soit les politiques ou les orientations pour les gens euh, qu'on veut représenter. Donc, rajouter un palier de plus, là, c'est vraiment pas nécessaire, étant donné que la municipalité offre des services de proximité. Il faut que la politique soit de proximité. Est-ce que le candidat Marc Carrière euh, favorise donc un, une personne plus qu'une autre à la, à la mairie? Euh, je, regardez, je fais à peu près comme tous les citoyens. Euh, J'analyse, j'explore, j'écoute. Euh, pour l'instant, euh, dans où est-ce qu'on est rendu dans la campagne, je ne, prononce, je ne prononcerai pas sur, euh, mon choix personnel euh, au niveau de la mairie. Euh, pour l'instant, je vais me limiter à ça. Okay. Les, euh, la population, il vous reste encore beaucoup de gens à rencontrer de votre côté? Oui, mais encore là, okay. j'en ai beaucoup de fait. J'ai rencontré des gens, les gens sont optimistes. Mm -hmm. euh, justement, pas plus tard qu'hier, une personne que je connais pas, une jeune femme, une trentaine d'années, euh, à ma surprise, euh, j'ai pu comprendre que, euh, textuellement, ce qu'elle me dit, on a hâte à l'élection. Moi, je pense que le taux de participation là, avec des gens comme ça, euh, j'ai hâte de voir le résultat, j'espère en tout cas, puis j'invite les gens surtout à voter le 3 novembre, sinon par anticipation le 27 octobre, mais j'ai bon espoir que euh, les gens à cette élection-là, là, euh, Vont manifester le, leur intérêt pour faire le choix au niveau de, de leurs conseillers du secteur. Je vous laisse un dernier 30 secondes pour euh, redire à ces gens-là comment, comment vous pouvez les servir. Bien, écoutez, moi, je pense que c'est en étant présent, en étant actif, euh, bien sûr, en voulant bien les représenter. Les gens du secteur maçon-angers méritent d'être bien représentés. Et mon expertise, en fait, juste au niveau euh, scolaire, quand je vous dis que j'ai été élu en 2007 en élection, euh, je n'ai jamais manqué une seule rencontre du Conseil des commissaires. Ça m'a rapporté, ça a surtout profité aux gens de mon secteur. J'ai le goût de faire exactement la même chose au niveau municipal, en étant bien sûr près des gens. Merci beaucoup, M. Carrière. On va rappeler Merci aux gens que les, la liste électorale est en révision du, entre le 15 et 19 octobre. Alors vérifiez ça si votre nom est là sur la liste et que les élections par anticipation auront lieu le dimanche 27 octobre, évidemment la journée d'élection le 3 novembre. Dans quelques instants, un troisième candidat dans la région angélique, Monsieur Renard Frenet. Oui, c'est ça. Et hey, Michel, viens de sa présentation. Ah oui, je vais être là, je présente le bilan. À tantôt. Habituez les gens à attendre vos réponses. Ça vous fera pas mourir. Je pense que vous avez juste avéré le problème de bord. Je trouve que ça n'a pas de sens. Il n'y en a pas de solution facile. Elle sait, elle sait. Non. Oui. Non. Oui. Non. Oui. Non. <laughs> Tellement. T'en penses quoi de ça Je pense que t'as raison. Non, ça a pas de sens ce que tu viens de dire. Ben oui, ça a du sens. Non, pas. vraiment pas. Mais oui, ça a du sens. Non, que, pas. que oh, tu tout, quand tu comprends pas là. ça, sauf qu'on peut faire autrement. On a tous nos opinions. Pourtant, aux dernières élections municipales, seulement 45 d'entre nous les ont exprimées. Le 3 novembre, on s'exprime. Exceptionnellement ce soir, vous qui regardez notre émission Parole à l'élu, bien nous avons une troisième partie puisque nous avons décidé cette semaine de présenter les trois candidats euh, du district électoral de Masson Angers. Et en troisième partie, bien, nous recevons immédiatement le candidat M. Roland Frenette du parti Action Gatineau. Bonjour M. Frenette. Bonjour à vous. Ça me fait plaisir que vous ayez accepté notre invitation et puis euh, j'aimerais ça que vous vous présentiez. Beaucoup de gens peut-être qui vous connaissent pas, qui vous connaissent pas, ils ont prêt de vous connaître parce que je ça fait longtemps que vous commencez à faire la tournée dans les différentes maisons, mais pour les qui nous écoutent ce, 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 écoute ce soir. J'aimerais que vous vous présentiez un petit peu qui vous êtes. Alors, je suis d'abord euh, un homme de conviction, un homme de cœur. Euh, je suis quelqu'un, en quelque part, qui a le souci des gens. Euh, je suis euh, quelqu'un qui, en quelque part, a toujours le souci de vouloir faire la différence euh, au, autour de lui. Moi, je travaille comme intervenant au centre 24-7, au centre d'aide, et j'aide les gens qui sont en situation de détresse. Et en quelque part, j'ai développé avec les années euh, l'écoute, puis d'être en mesure de pouvoir comprendre ce que les gens vivent, ce que les gens ressentent. Et quand on m'a approché pour faire partie de l'équipe Action Gatineau, bien j'ai eu ce désir-là de servir, d'être à l'écoute des gens. Alors, euh, je suis aussi un, un père de famille. J'ai quatre beaux-enfants. Je suis marié à une charmante épouse. Et mon désir, euh, c'est de vraiment être une personne de service pour les citoyens et citoyennes de maçon Angers. Et vous êtes du secteur d'Angers, vous demeurez un secteur. Oui, exactement. donc un secteur très. où il y a beaucoup de, de, de jeunes enfants, de jeunes familles. Oui, jeunes famille, Moi, j'habite dans le Vieux Angers, sur la rue de Genève. Alors, euh, c'est un secteur qui est vraiment euh, très agréable. Ça fait euh, plus d'une dizaine d'années que j'habite là. Alors, euh, c'est un endroit-là qui euh, fait bon vivre. Est-ce que vous aviez une expérience euh, en politique quelconque? Pas nécessairement. J'ai toujours travaillé euh, dans le milieu communautaire, là, euh, une fois que j'ai complété mes études, et qui fait en sorte qu'à travers les relations humaines, j'ai une spécialité au niveau des adolescents, euh, maintenant je suis euh, comme intervenant en situation de crise. Alors, euh, j'ai fait énormément de bénévolat, que ce soit à travers les chevets colons, euh, à travers différents euh, organismes communautaires, euh, un petit peu partout euh, dans Gatineau. Qui m'a donné une bonne expertise là, pour faire en sorte, c'est quoi euh, être en mesure de, de pouvoir travailler avec les gens? C'est quoi, en quelque part, euh, de servir? Qu'est-ce qui fait en sorte, en quelque part, que les gens euh, expriment des besoins dans un milieu? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'ils ont besoin de s'en sentir bien dans leur milieu? Qu'est-ce qui fait en sorte, en quelque part, qu'on peut ou pas répondre à leurs besoins? Puis, qu'est-ce qui fait en sorte qu'on peut avancer avec eux? Vous avez rencontré beaucoup de monde parce que depuis le mois de mai, vous avez, donné, oui. vous avez déjà donné à ce moment-là votre intention de, de, de faire partie de cette lutte dans le district électoral numéro 17. Euh, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils vous disent? Quelles sont les priorités que vous pensez qui devaient être mises à l'avant pour le secteur maçon-angers et pour la ville de Gatineau en même temps? La première priorité pour le secteur de maçon-angers, c'est d'être capable d'être un conseiller qui peut se faire proche des gens. Et ça, pour moi, c'est. Euh, c'est un atout. C'est ce qui fait partie de moi-même. On reproche actuellement l'absence d'un conseiller. Les gens nous disent que Masson Angers est un village fantôme. Alors moi, je ne peux pas accepter de rester dans un village fantôme. Je ne peux pas accepter que Masson Angers euh, nous, nous sommes l'Est de Gatineau et que nous ne pouvons pas être en mesure d'avoir notre morceau de gâteau et d'être partie prenante de Gatineau. Alors, la première chose qui est importante, c'est d'être disponible pour les gens. Moi, je rends mon numéro de téléphone disponible. Euh, je, je fais en sorte là, de. Euh, écoutez, depuis le mois de mai, j'ai rencontré plus de 2600 personnes euh, euh, auxquelles j'ai pu discuter avec ces gens-là et qui m'ont dit Écoute, nous, on aimerait avoir un conseiller présent. Un conseiller qui est capable de nous retourner nos appels, un conseiller qui peut retourner nos courriels, un conseiller qui, qui a à nous dire oui ou non, mais qui nous donne une réponse. Alors c'est dans ce sens-là que moi euh, je trouve important que on favorise une proximité et que je puisse être disponible auprès de ces gens-là. Par la suite, bien, euh, écoutez, euh, le, la famille est grandissante dans Angers. On a un secteur un petit peu plus vieillissant en maçon. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour que les gens puissent sentir qu'ils sont partie prenante encore de leur district? Autrefois, les gens disaient, bien, il y avait des tombolas, il y avait des carnavals, il y avait une fête de la Saint-Jean-Baptiste. Qu'est-ce qui fait en sorte que maintenant, on n'est pas en mesure de pouvoir garder ces services-là. Mmh. Alors c'est sûr que les gens doivent se mobiliser, ils doivent s'impliquer. On va encourager le bénévolat. Je ne pourrais pas tout faire moi-même, alors mais je vais travailler en équipe pour faire en sorte que euh, oui, on est capable d'avoir des activités de quartier, des activités locales, sans nécessairement être obligé de faire 20 minutes ou 30 minutes de, de route pour aller davantage à l'ouest pour vivre des expériences. Alors on peut en vivre localement. Mmh. Il y a le transport en commun. Euh, il y a la sécurité de, de nos enfants, la sécurité de nos aînés, qu'il faut avoir la préoccupation. Ce n'est pas normal que euh, les gens qui prennent le bus, ça leur prend une heure et quart, une heure et demie, une fois qu'ils sont arrivés aux portes d'Angers, pour réussir à se rendre à Masson parce qu'ils doivent faire le tour de Buckingham. Alors, avec mon collègue euh, à Buckingham, avec euh, M. Martin Lajeunesse, on veut travailler ensemble pour développer un transport en commun local. Et on veut faire en sorte, en quelque part, au niveau du Grand Gatineau, de, de soutenir notre chef, Maxime Pednaud-Jobin, qui est candidat à la mairie, euh, pour qu'on puisse faire en sorte que le projet Rapibus puisse être fonctionnel, qu'il puisse, en quelque part, répondre à un critère important, qui puisse desservir correctement l'Est de Gatineau. Puis, par la même occasion, une autre des priorités qui me tient à cœur, c'est davantage plus de commerce. Davantage plus d'organismes communautaires. C'est sûr que moi, je ne deviendrai pas euh, à la fois conseiller et homme d'affaires. On s'entend bien là-dessus. Mais euh, je pense que c'est de faire en sorte d'encourager euh, l'association des gens d'affaires de Basse-Lièvre, puis de, de faire en sorte qu'ils puissent prendre conscience que l'union fait la force. Alors, euh, c'est les besoins du quartier. Et pour y arriver, il va falloir que les, les différentes façons de procéder de la ville de Gatineau soient un peu plus flexibles, je pense. Oui, parce Je pense que... que c'est ce que tout le monde semble nous semble dire autour. Oui, dire puis euh, vous regarderez, euh, nos euh, concitoyens et concitoyennes recevront euh, des clients par la poste euh, d'ici quelques jours euh, avec euh, notre, euh, notre future maire, euh, Maxime Penaud-Jobin. Puis à l'intérieur, il y a quelque chose qui dans notre programme, qui me rejoint, qui me touche tout particulièrement pour mon secteur, c'est développer une, une identité gâtinoise à partir des communautés locales. Ça veut dire qu'avant de bâtir des, des gros projets, faisons en sorte que nos petits projets au niveau local puissent fonctionner. On pense entre autres à nos bibliothèques. Hein? Nos bibliothèques, là, une bibliothèque, ce n'est pas juste avoir des rayons puis avec un paquet de livres. Aujourd'hui, on fait face à la technologie. Alors, est-ce qu'on peut avoir accès à Internet? On peut-tu avoir accès à des ateliers, à des conférences? On peut-tu donner le goût, en quelque part, aux gens de venir? Alors, ça, c'est un service qui est offert localement. Et on doit s'organiser qui soit attirant, euh, qui soit fonctionnel, qui soit vivant. Alors moi, je m'engage à travailler fort pour maintenir ce qui existe déjà et à créer ce qui n'existe pas mm -hmm. par la même occasion. Okay. Vous avez semblé, vous avez parlé du mot force. Euh, et une des choses que j'ai remarquées dans votre programme, c'est que avec Monsieur la Jeunesse. Vous semblez vouloir dire bien là, on, va, on devrait cesser les, les guerres de clocher et dire bien on s'unit Buckingham Massonge ensemble pour parler de l'Est de la Ville de Gatineau et être plus fort face au restant de la Ville. Est-ce que c'est. Est ce que je me trompe avec ce que j'ai entendu? Vous avez tout à fait raison. Parce que ce qui fait la force d'Action Gatineau, et c'est la raison pourquoi je suis embarqué, c'est de pouvoir travailler en équipe. Moi, je suis un gars d'équipe. Et Action Gatineau va avoir le souci de dire, bon, il y, des, il y a des priorités, il y a des besoins. Dans l'Est de Gatineau, là, euh, puis mes collègues s'entendent à dire qu'un travail colossal à faire pour que l'Est de Gatineau soit partie prenante de l'ensemble du Grand Gatineau. Et pour ce faire, il faut qu'il y ait d'autres candidats d'Action Gatineau. Il faut que Masson Angers et Buckingham, nous puissions travailler main dans la main. Ça ne veut pas dire que l'un veut manger l'autre. Ça veut dire que est-ce qu'on peut faire en sorte qu'on puisse travailler équitablement? qu'autant qu que Buckingham puisse bénéficier des services, que masson Angers aussi puisse en bénéficier tout autant euh, des services. Et de ce sens-là, que deux voix au niveau du conseil municipal aura beaucoup plus de poids qu'une seule voix. Et puisque c'est dans le programme du Parti, est-ce que ça veut dire que vous, avez, vous auriez à recevoir euh, de l'appui de vos autres collègues s'ils étaient élus du, du Parti? Euh, Il n'y a aucune inquiétude à obtenir euh, l'appui de nos collègues et ça va être important qu'on puisse bénéficier de cet appui-là, au même titre que nos collègues sont plus vers l'ouest de Gatineau vont avoir besoin de l'appui des collègues de l'est de, de Gatineau. Je vous pose la question, je l'ai posée aux autres, parce que certains étaient indépendants, donc euh, étaient partie prenante d'un maire ou d'une un, personne pour la, la mairie ou l'autre, ou certains ont dit, simplement dit « je suis en droit de l'écoute ». De votre côté, on sait que c'est M. pednaud jobin Sans hésitation. Pourquoi les gens, pourquoi, les gens euh, pourquoi vous croyez que ça ferait un bon chef de votre parti et un bon chef pour la Ville de Gatineau? Maxime pednaud jobin est un homme de cœur, est un homme euh, d'une grande authenticité. Euh, Maxime penneau Jobin euh, fait en sorte d'être présent. Il est à l'écoute des besoins, c'est un proactif. Alors, qui fait en sorte qu'on lui apporte quelque chose, il a le souci de réagir rapidement. Alors, on est la quatrième plus grande ville au Québec, et nous avons besoin qu'à Gatineau, euh, 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 sur plusieurs dossiers, mm -hmm. qu'on puisse avoir l'impression qu'on fasse partie de la province du Québec, qu'on a l'impression que la grande ville de Gatineau est omniprésente. On a besoin d'un maire qui est capable de travailler avec les autres maires. On a besoin d'un maire qui est capable de travailler en collaboration, même avec celui d'Ottawa. On a besoin d'un maire, en quelque part, quand il dit quelque chose, il va le faire. Maxime Pennaud-Jobin est l'homme d'Action Gatineau et il, il est le futur maire de Gatineau. Est-ce que le, le fait que, bon, on sait qu'avec la Commission Charbonneau, a, les partis politiques euh, y ont goûté beaucoup. Est-ce que vous pensez que c'est révolu, cette, cette période où les, les partis politiques euh, faisaient la pluie et le beau temps, puis euh, on s'en mettait dans des poches et tout ça? Est-ce que vous pensez que ça peut vous nuire comme parti, ou bien si vous pensez que c'est nouveau maintenant, puis le renouveau est là? Absolument pas, parce que si on prend le temps de regarder des euh, euh, indépendants, comme ceux qui font partie d'une équipe politique, ils peuvent être euh, victimes ou ils peuvent être complices de, con, de collusion. Alors, je pense pas qu'on que soit dans une équipe ou pas, qu'on est à l'abri de ça. La seule façon d'être à l'abri de ça, c'est d'être honnête et c'est de dire les vraies choses. Et Action Gatineau s'engage à dire les vraies choses. Et moi, quand je fais mon porte-à-porte, -porte, je dis les vraies choses aux gens. Alors, c'est pas des demi-mesures et c'est pas nécessairement pour flatter puis dire, ah, ben, je vous dis telle chose puis à condition que vous votez pour moi. Ça fonctionne plus comme ça. On, ma génération, ma mentalité, euh, notre mentalité maintenant, euh, la, la politique est comme désabusée et on veut faire en sorte, en quelque part, d'avoir des gens qui sont passionnés puis des gens qui ont réellement le goût de travailler avec sincérité. Vous me semblez une personne passionnée de votre côté. Je vous laisse euh, 30 secondes, M. Frenette, pour demander aux gens d'aller voter, j'imagine, et puis pourquoi voter pour vous. Alors, ce qui serait très, très important euh, le 3 novembre prochain, c'est non seulement d'appuyer euh, l'équipe Action Gatineau, c'est d'être en mesure de pouvoir appuyer Roland Frenette, un gars de terrain, un gars qui a le souci des gens, un gars qui veut se faire proche des gens. Vous pouvez me rejoindre au 819-329-5808. Je suis entièrement disponible. Ça va me faire super plaisir de recevoir votre appel. Euh, Laissez-moi un message euh, au besoin et soyez assuré que dans les meilleurs délais, je retournerai votre appel. Euh, par la même occasion, on a besoin d'être une équipe forte. Alors, action Gatineau pour Masson-Angers, action Gatineau pour l'ensemble de Gatineau et sans oublier euh, de porter votre appui à Maxime penneau jobin je vous dis sincèrement un gros merci. Et vous savez, en terminant, je vous dirai ceci, euh, ce que les gens de Maçon-Angers méritent, c'est de pouvoir, euh, en quelque part, avoir un candidat présent pour eux dans une équipe forte et non changer 4,30 sous pour une pièce. Bien, je vous remercie infiniment, M. Frenette. Je vous souhaite bonne chance pour la suite des choses. Et nous, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec les candidats de, à la mairie de L'Ange-Gardien cette fois-ci. Merci. 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 merci.